Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. En ce moment, je suis dans le coin de Montréal. Je suis sur rue du Rocher. Je suis venu tourner une vidéo sur les plateaux de Gaz TV. Et je ne sais pas si je vais dire que j'étais au bon endroit, au bon moment, mais j'ai assisté à une scène de séparation. Il y avait les policiers autour d'un bâtiment. J'ai vu comment le monsieur s'est fait escorter et sa femme était à l'intérieur avec les enfants. Sans plus tarder, dans les jours qui vont suivre, nous allons en parler longuement afin que, une fois de plus, nous puissions vous sensibiliser dans ce besoin permanent de ne pas voir des immigrants quitter de leur pays d'origine et puis venir ici pour se désunir. On n'en veut plus. On ne vient pas ici pour déconstruire, on vient bâtir. Sans plus tarder, on se dit à très bientôt pour la suite de la vidéo. Au revoir. Bonjour, vous souhaitez Immigro-Canada? Suivez-moi. Souhaitez Immigro-Canada, vous êtes au bon endroit. Connaissant l'immigration en partenariat avec Immigration Entrepreneuriat est un regroupement de consultants réglementés spécialisés en accueil et intégration au Canada. Nous sommes ouverts le lundi et le jeudi de 11h à 19h. Alors nous vous attendons dans nos bureaux. Sans plus tarder, prenez rendez-vous pour cliquer sur le lien en bas de la vidéo. En cette journée, à Montréal, je suis stationné pour faire une vidéo et je suis tombé, je ne sais pas si c'est à pic, au milieu d'une séparation. C'est un couple indien. Présentement, vous pouvez voir la police en arrière de moi qui ont décidé de mettre fin à leur relation. Mais vous savez, les rituels sont souvent douloureux, autant pour moi. Est difficile. Donc le monsieur est affronté par la police parce que la dame a peur pour sa vie, elle ne voulait pas qu'on puisse la nuire. Et donc c'est la raison pour laquelle la police est là pour escorter le monsieur qui est juste en avant avec son véhicule. Et là la dame réclame à ce qu'on puisse lui donner le véhicule parce qu'elle a des enfants. Elle ne sait pas comment faire. Le monsieur refuse de donner le véhicule parce que le véhicule est à son nom. Vous voyez, c'est autant de choses qu'on essaie de dire sur cette chaîne. C'est difficile de partir de nos pays, par exemple, là ce sont les Indiens, de partir de nos pays d'origine, de venir ici pour un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants, et qu'on se trouve dans ce genre de situation, en train de se déchirer. C'est difficile pour ces enfants. Je ne vais pas mettre la photo de l'enfant, mais c'est tellement difficile, c'est pénible. Et comprenez que c'est lourd. On vient ici pour réussir, on ne vient pas ici pour se mettre en difficulté, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est cette réalité que je ne cesse de décrire au quotidien, de peindre au quotidien dans mes vidéos, en faisant comprendre aux gens qu'il est primordial de s'unir. On vient ici pour s'unir, on ne vient pas pour se diviser, on ne vient pas pour se séparer. Et c'est dommage. Je suis, comme on dit, je suis là au bon moment où il fallait. Mais pour ce genre d'histoire malheureuse, ça me fait mal. Je n'aurais pas voulu être là à l'instant T où je fais la vidéo. Mais ça tombe à pic parce que ça vient rancher ce que je dis tout le temps sur la chaîne. On ne vient pas ici pour se séparer, on vient pour s'unir. Vous l'avez vu, ça se passe là, en plein live devant moi. Devant moi, c'est en plein live là. C'est dur quand je vois les enfants au milieu de ce genre de contraintes, de séparation. Vous voyez, les policiers montent, descendent parce qu'ils doivent faire la médiation entre deux parce que c'est rendu, ils ne veulent plus se parler. Les deux parties ne veulent plus dialoguer, communiquer. Ah, c'est triste.
C'est triste, c'est rude. La femme est sortie, en train d'aller avec son fils. Le monsieur est en avant. Et puis voilà la police qui s'en va et tout. La police qui s'en va. Ce sont des situations que nous déplorons tout le temps. Tout le temps. Pourquoi on vit au Canada, que nous soyons africains, asiatiques, européens, au bout d'un certain temps, séparation. Est-ce que c'est tellement de stress dans lequel nous vivons qui nous pousse à cela? Est-ce que le Canada est un pays de stress? En tout cas, beaucoup de courage à nous, beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à ceux qui se séparent au quotidien. Mais au milieu, il y a les enfants. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Mais très souvent, on n'a pas trop le choix que de se séparer parce que même pour ces enfants, on a besoin de notre équilibre mental. On a besoin d'être en bon terme avec nous. Autrement, on risque de virer fou. Beaucoup de courage à ce couple indien. Une nouvelle fois, comme je dis, je me suis retrouvé. Je ne sais pas s'il veut dire au bon endroit, au mauvais moment. Au bon endroit, au bon moment, je ne sais pas. Mais j'étais là, témoin d'une scène de séparation avec police à l'appui, escorté le mari à l'extérieur de la maison. C'est cette réalité qu'on ne cesse de vous partager. On vient ici pour s'unir. On vient ici créer de la valeur. On vient ici pour aller loin ensemble et non pour se séparer, et non pour se désunir, et non pour chacun son chemin. C'est pas ce qu'on veut. Si c'est le cas, restons dans nos pays. Restons dans nos pays. C'est ce, merci encore d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager la réalité de manière transparente de notre quotidien, de notre vie ici au Canada. Vous faites du vélo, hein? J'ai encore plein de soeurs. Dans ce cadre de vie, il y a quand même des gens qui sont épanouis. Mais c'est cette réalité qu'on essaie de partager afin que quiconque souhaite immigrer ou venir au Canada puisse en être informé, puisse être au courant et qu'il puisse être prendre des bonnes décisions pour l'avenir de leur famille. Encore une fois de plus, chers amis, merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Immigration Entrepreneuriat. C'est toujours un plaisir pour nous de vous partager des contenus de qualité, des contenus inspirants, des contenus qui vous aideront probablement à immigrer au Canada, mais surtout à vous intégrer et à prendre votre place au Canada une fois pour toutes. Ce genre de scène-là, on n'en veut plus. Les séparations, on n'en veut plus. S'il y a des querelles, arrangeons-nous pour que ça puisse passer crème, transparent auprès des enfants. Ils n'ont pas besoin de subir cela. Quand ça se passait dans la chambre, ils n'étaient pas là. Maintenant qu'ils sont arrivés, arrangez-vous pour qu'ils ne subissent pas vos aléas, vos querelles, vos problèmes. C'est ce, on se dit à très bientôt. Comme d'habitude, je vous aime.